tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler de la R8 Gordini. Alors, elle est sortie de 1964 à 1970, il y a deux modèles, le 1100 et après il y a eu le 1300 cm3. Donc c'est la remplaçante de la Dauphine. Donc à la sortie de guerre, il y a Amédée Gordini qui s'associait, il associe son nom à Renault. À l'entreprise Renault, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il a démarré par les Simca Gordini. Bon, c'est un 4 cylindres en ligne, 8 soupapes, moteur arrière, 2 carburateurs Solex double corps, 88 chevaux d'ine, enfin il y a deux modèles, donc le 80 et le 88 chevaux d'ine, watt 4 et 5 vitesses selon les modèles, 850 kg. 855 kg et 7 chevaux fiscaux. Son prix d'origine est de 11 500 francs. Alors en 2015, elle était estimée à 40 000. Voilà. Donc la R8 Gordini fait son apparition au Salon de Paris en septembre 1964 après des essais essentiellement menés par Jean Villatier. Elle est la première voiture de sport abordable. À l'origine des petites voitures sportives. C'est effectivement la première compacte ayant plus de performances sportives pour un tarif de voiture de série. Les R8 Gordini 1300 sortis 2 ans plus tard. 203 chevaux SAE, 88 chevaux DIN, proposant des accélérations détonnantes pour l'époque et atteignant jusque 175 km/h. Permet à Renault de répondre à la confidentielle Simca Abarth 1150 Tipo Corsa de 80 chevaux d'ine. Simca attendra en 1972 pour proposer une vraie réponse à la Gordini 1300 avec la Simca 1000, la Simca Rally 2 de 82 chevaux d'ine, 110 chevaux avec le kit groupe 2. Voilà, donc on a. Elle se distingue par sa couleur bleue France 418. Sa double bande blanche qui court sur toute la longueur de la voiture. Ses gros projecteurs de diamètre 200 mm et ses 4 amortisseurs à l'arrière. A partir du bloc d'origine, Amédée Gordini a porté la cylindrée à 1100 cm3 et la puissance à 77,5 chevaux d'ine. 95 chevaux SAE grâce à une culasse hémisphérique. Soupape en V et bougie centrale et à 2 carburateurs double corps horizontaux Solex. La vitesse de pointe atteint 170 km/h, ce qui fait de la R8 Gordini l'une des voitures françaises les plus rapides de l'époque. Voilà, elle a le style, la mémé. En septembre 66 apparaît la R8 Gordini 175 km/h. Parce que c'est une 1300 cm3. Voilà. Je regarde. Voilà. Donc, pour les passionnés de R8 Gordini, évoque une époque révolue où les jeunes s'adonnaient avec gourmandise aux joies indicibles des glissades et des contrebraquages. Ils avaient déjà démarré le drift un peu n'importe comment. Voilà. Voire interdit de nos jours. Ces jeunes, ceux de la génération du baby boom, c'était à peu près l'époque-là, ont aujourd'hui 40 ans de plus, l'âge de la R8 Gordini. Ils ont la nostalgie de ces années 60. Voilà. Ces formidables instruments d'apprentissage appelés Dauphine et R8, les populaires de la régie. Voilà, on voit un peu des modèles, des photos de l'époque, 5 millième exemplaire. On va pas voir. Voilà. Dévoilé en 1964 au Salon de Paris, en cylindrée 1100. 2 ans plus tard, avec l'évolution, la 1300. Et nous n'avons pas oublié dans cet hommage la très exclusive double arbre à cam Gordini, dont le modèle 1500 chante jusque 8000 tours. Voilà. C'est bien un peu de voir ces modèles qui ont été mythiques. Une petite accélération de la R8 Gordini pour voir un peu la puissance de ce véhicule.
Donc là, on va voir un peu ce que les professionnels en pensent. Voilà. Du coup, là, c'est 4 cylindres en ligne. Moteur à essence. Disposition du moteur. Porte-à-faux arrière. La cam' latérale. Donc deux soupapes, deux par soupape, ça fait 8 soupapes. 103 chevaux. Compression 10,5 et 1255 cm3. Boîte de vitesse 5 rapports, 7 chevaux. Bon, il n'y a pas de disque ventilé ou quoi que ce soit. ABS non, évidemment. Les pneus c'est 135-15. 3,99 m de longueur. 1,49 m de largeur, hauteur à 41, 855 kg. Vitesse max, 179 km/h. 0 à 100, 0 à 100 en 13 secondes 7. Là, on va voir un peu les R8 qui sont en vente. Vous voyez, 9000, 17000, 20000. Carte grise 21000, 54000, 30000, 9000, voilà, ça varie. Voilà, 27000. Là, une R8 à restaurer. Il y a beaucoup de boulot. Regarde un peu si on voit les photos. Voilà, vous voyez. Elle est super propre celle-là. Double les deux carburateurs Weber. L'intérieur est un peu craqué, mais vu l'âge c'est normal, 50 ans. Donc là on voit un peu le palmarès de Gordini. La Gordini. Ils ont gagné en 64, 65, 66, ils ont fini dans les derniers, dans les finalistes. Donc là on voit un peu le palmarès ici. Donc là, en 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Donc ils ont gagné la Coupe de France. Gordini, Robert Mieuzet, François Lacaron, Roland Trollet, Bernard Lagier. Voilà, donc c'était la Coupe de France Renault. Voilà un peu le... Voilà, c'était une coupe qui s'affrontait que... en possession de Renault. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà.